Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce weekly vlog numéro 23. C'est fou. J'espère que vous avez passé un bon dimanche et une bonne fête des mères. D'ailleurs, je profite pour souhaiter, avec 24 heures de retard, c'est vrai, une bonne fête des mères à toutes les mamans qui me suivent. Moi, hier, j'ai eu des belles fleurs, regardez, pour la fête des mères. Je suis super contente. Et puis, ça a vraiment été en fin de journée. J'ai pris du temps pour moi. C'est-à-dire, j'ai fait mes soins. J'ai été prendre un long bain. J'ai refait un masque en or. Enfin, bref, je me suis vraiment occupée de moi. Ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Café. Chaud, mais ça fait du bien quand même. Et puis hier, en traînant sur YouTube, en regardant une vidéo, vous savez, entre les coupures pub, j'ai revu une pub pour le sérum. Alors, je crois que c'est Jouvence. Oh, je ne me rappelle plus du nom. Jouvescence. Bref, on voit un petit film qui a été tourné à la foire de Paris, et on voit une femme d'un certain âge, hein, on va dire à peu près de mon âge, et elle se fait appliquer un sérum, et après, en ventilant comme ça, on voit la peau qui se retend. Et moi, j'ai un gros souci, c'est avec les rides que j'ai ici autour de la bouche, puis bon, le sillon qui est quand même pas mal creusé, hein. Et je me suis dit, allez, fais-toi un cadeau pour ta fête des mères, parce que j'ai été voir le prix, du coup, je suis allée sur le lien. Bah, ça coûte un bras, hein. Bon, là, pour la fête des mères, ce qu'ils faisaient, alors je sais pas si c'est à l'année ou pas, mais il y avait moins 50%. Les frais de port gratuits, et puis autre chose, j'ai oublié. Un soin offert, enfin, je sais plus quoi, en juste. Donc, j'ai dit, allez, je me fais plaisir. Ça coûte aussi cher que si j'allais m'acheter un sérum chez Sephora, je sais pas, Dior ou Saint Laurent ou Clarins. C'est le même prix. Je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. On verra bien si ça marche. Je vous en parlerai. Éventuellement, on fera le test ensemble. On verra bien. Chérie, lui, ce qu'il a fait, il a nettoyé la terrasse. Alors, il a nettoyé la table de jardin, mais... Il m'a dit, je lui ai dit, laisse les chaises, les fauteuils de jardin, je les ferai, je les nettoierai, puis je passerai le Karcher dessus. Et aujourd'hui, ce qu'on a à faire, c'est aller chez Action, parce que j'ai 2-3 bricoles à faire. Là, je me suis fait une petite liste. J'ai toujours pas acheté le protège-matelas pour mon petit canapé là-haut. Faut que j'achète un set de table pour animaux, là. Parce que la petite chienne, elle a une manie quand elle mange, elle prend une bouchée, elle la pose par terre et elle la mange par terre. Donc, par terre, c'est dégueulasse. Donc, je vais y acheter un petit set comme ça et un petit ventilateur demain pour ce fameux sérum là. Et puis, bon, on fera un petit tour sur le coin des nouveautés, des trucs comme ça, quoi. Mais bon, je vous tiendrai au courant. Et puis, je vais, selon vos conseils, parce que hier est sorti mon weekly vlog et vous avez été quelques-unes à me dire pour tes rideaux, vous savez, je cherche... Toujours, mais enfin, je ne les cherche plus, hein, parce que j'ai fait trois enseignes, je n'ai pas trouvé. Et vous m'avez dit d'aller chez Centracor, et c'est vrai que j'en ai un. Bon, il est un petit peu plus loin que mon Jiffy, etc., ou mon BM. Mais c'est vrai que je vais y aller, je vais aller y faire un tour, et je retournerai au BM, mais qui paraît, comme je serai dans le quartier du Centracor, ben, j'irai à mon BM, mais qui est beaucoup plus grand. Donc, on va programmer ça cette semaine. Cette semaine, ce qu'il y a de programmé aussi, c'est déménager le stock de bois qui est ici, là, sur ce mur-là, à l'extérieur, bien sûr. Pas sur ce mur-là, à l'intérieur, ça paraît évident. Et puis, je voudrais le mettre derrière, voilà, dans le jardin, de manière à dégager tout ce coin-là où j'ai fait mon parterre de fleurs, parce que, bon, il y a le parterre de fleurs qui est joli, mais à côté, il y a un gros tas de bois, et puis en plus, vous savez, l'hiver, quand on prend le bois, ça, plus ou moins, ça s'écroule, donc il y en a un peu partout, donc je voudrais refaire un truc. Alors, la solution, ce serait peut-être de le mettre, parce que là, c'est sur du béton, donc ça pose pas de souci, pas de problème, béton, ciment, je sais pas quoi, bref. Tandis que là, c'est de la terre dans le jardin. Alors, je pensais mettre soit des palettes,
Oui, deux, trois, enfin trois palettes même. Trois palettes, ou alors aller dans un magasin de bricolage et acheter des dalles et les mettre comme ça, et elles seront posées sur les dalles. Alors, je sais pas, on va prévoir ça cette semaine, aller chez Casto ou chez Leroy Merlin, enfin bref, les magasins de bricolage, voir ce qu'on trouve comme solution pour déménager le bois, et comme ça, tout le devant sera propre. Et j'ai un bac à fleurs, parce que j'ai fait tout mon parterre de fleurs là, mais sur le retour, j'ai un bac aussi qui est plus petit, mais en hauteur, et je sais vraiment pas quoi mettre. Donc il faut vraiment que aussi je me trouve des idées. J'aimerais des fleurs, mais plus grandes. Alors je veux pas des rosiers, quoique, mais parce que des rosiers, j'en ai sur le devant de la maison, alors bon, c'est bon quoi. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui serait assez grand? J'ai des iris aussi sur le devant de la maison. Alors, peut-être des iris. Je sais pas, faut vraiment que je réfléchisse et que j'aille voir ou chez Truffaut ou en pépinière. Je sais pas, on verra. Bon, allez, j'arrête de pipeléter, je finis mon café et puis faut que je regarde ce qu'on mange. Je crois que ce midi, c'est un dernier plat Joe. Il me semble, c'est un dernier plat Joe. Ah non, il reste du one pan... merguez poivron que j'ai fait hier. Oui, il reste ça. Ça avec un petit peu de riz. Ah oui, je vais faire ça ce midi, tiens. Allez, on se dit à tout à l'heure. Alors, on revient donc de chez Action. J'ai deux sacs. Je vais vous faire un haul. Et puis après, on est passé chez Grand Frais. Alors, chez Grand Frais, j'ai trouvé un petit pot de menthe. Et un autre de basilic. Ils n'étaient pas très très riches en herbes fraîches comme ça, aromatiques. Je crois que c'était un 50 ou un 90. Je vais vous dire ça. Tac, tac, tac. Non, ni l'un ni l'autre. Un 75. Une grosse salade. Ça, c'était un 39. Je crois ce que j'ai regardé parce que en sachet toute prête, elle était à un 99 et il n'y avait pas autant. Et j'ai dit, tiens, je vais la prendre et puis je l'éplucherai moi-même. Hein. C'est ça, Batavia rouge, 1,39. Je vais peut-être faire dans l'ordre, ça ira mieux. Hein. 3,11 €. Ça, c'est des ananas frais. Pointe d'asperge verte. Voilà, j'ai vu Elodie, toujours pareil, de la chaîne Elodie. Oh, Elodie 3 qui en fait tout le temps, m'a donné envie. Après, j'ai pris des pads thaï pour faire au wok. Alors, c'est un gros paquet, mais vous voyez, aux crevettes, chérie m'a dit t'inquiète pas, j'en rangerai avec toi. Alors, on n'avait pas vu, on n'avait pas le prix, il n'y avait pas le prix ni derrière, ni sur le devant, quoi. 8,99 €. Pas de venir, hein. Des myrtilles. Là, il y a combien? 250 g de myrtilles. Bon, la Batavia, je vous l'ai dit. Des tomates romaines. Non, Roma. Roma, je ne sais pas ce que c'est. Roma, je ne sais pas quoi. 2,09 €. Donc, la menthe basilic. Une petite boule de mozzarella. Une petite boule comme juste petite comme ça suffit. Yaourt coco par 4, 2,19 €. Ça fuit. Alors après, on a pris des rips. Des rips de porc basquez, 9,29 €. C'est pour tenir ce. Avant que je fasse mon drive. Que je fasse mon drive, je vais le faire demain, je pense. Et des émincés de poulet mariné marinade basquez, 6,05 €. Et pour finir, des dattes medjool. Celles-là, elles sont super bonnes. Donc 49,92 € pour tout ça. Et bien évidemment, les 4 baguettes chez Marie de la Chère et puis une tarte aux pommes, une tarte fine.
Elle est belle, hein? Elle est bien grillée en plus. Elle est vraiment belle. Voilà, donc je vais tourner mon haul action et puis nous on se dit à plus tard. Alors, le haul action a été tourné. Je vais tout ranger. Mais bon, voilà. Bah là, il y a la kiki. Elle est là, la kiki. Alors ce soir, on va essayer le pad thai là qu'on a acheté chez Grand Frais. Ça sent super bon. Bon, bah, il n'y a plus qu'à goûter et puis je vous dirai si c'était bon. Allez, je vous dis à demain. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi 6 juin. Il fait un magnifique temps encore, pourvu que ça dure. Moi, je croise les doigts. Café de bienvenue. Pardon. Je crois qu'hier, nous nous sommes quittés sur... Ah oui, c'était sur le repas. Enfin, je vous ai montré ce qu'on a dîné. C'était les pâtes thaï que j'avais achetées chez Grand Frais. Ils étaient bons. Il y a beaucoup de pâtes à l'intérieur, des pâtes chinoises avec plein de légumes, des crevettes, une sauce toute prête dans un petit... J'ai même pas fait attention qu'il y avait. Dans un tout petit récipient comme ça, on a juste rajouté, nous, un peu de sauce soja salée. On s'est régalé. Franchement, c'était très bon à refaire parce qu'au départ, je trouvais que c'était quand même pas donné. 8,90, je crois, un truc comme ça. Mais on a mangé à deux dessus sans aucun problème. J'ai même pas fini, moi, toutes mes pâtes. J'en ai donné à chérie, j'en pouvais plus. Donc voilà, pour ça, je voulais vous tenir au courant. Donc c'était très bon. Aujourd'hui, j'ai ma vidéo chez Free à terminer. Vous savez, mon air fryer que j'ai fait avec plusieurs recettes. Elle est prête, elle est tournée, elle est montée. Il me restait que la conclusion à faire avec le lien, le code. Et là, je vais avoir un bon code de réduction. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'est un appareil qui va revenir à moins de 100 euros. Donc, franchement, il est très bien. Moi, d'ailleurs... je l'ai laissé sur mon plan de travail, il reste là parce qu'on s'en sert tout le temps, que ce soit pour faire réchauffer, que ce soit pour faire cuire, tout, on fait tout avec. Franchement, le four, je m'en sers vraiment quand j'ai des grosses quantités et que j'ai pas envie de faire tourner deux fois le air fryer, aucun intérêt. Donc là, je fais dans le four, mais sinon, c'est l'air fryer, comme on est que deux, nous, ça suffit, hein. Après, j'ai tourné hier mon haul action. Il me reste, d'ailleurs, il y a une surprise dedans, je ne sais pas si vous l'avez, non, vous ne le verrez peut-être pas, ah peut-être vendredi, je vais essayer de la poster vendredi, bah, peut-être que vous l'aurez vu ou pas, si je n'ai pas eu le temps de la poster, il y a une surprise à l'intérieur, donc regardez le prochain haul action, vous verrez, il y a une belle surprise pour vous. Donc forcément, je l'ai tourné, mais je ne l'ai pas monté. J'ai pas fait, donc j'ai ça à faire. Et puis ce qu'il faut que je fasse, parce que j'ai dit que je ferai ma part aussi, c'est nettoyer toutes les chaises de jardin. Et puis mon bain de soleil, comme ça je vais pouvoir le mettre, profiter un petit peu du soleil. Donc aujourd'hui je fais ça. Donc l'idéal ça aurait été d'aller chez BM et tout. Donc je pense que tout ça se sera remis à demain. Aujourd'hui on va s'attaquer aux vidéos. J'ai les deux vidéos à faire et m'occuper de mes chaises de jardin. Après si j'ai le temps, j'ai le temps. Mais ça c'est mes priorités, on va dire en haut de la liste. Ce midi, ce qu'on mange, c'est une salade grecque. C'est une salade, une recette que j'avais pris. Enfin, j'avais pris tout ce qu'il fallait sur Joe. Et puis forcément, au fur et à mesure des jours, on a mangé la salade. Donc là, j'en ai racheté hier chez Grand Frais. Je vais pouvoir la faire. Salade, tomate, oignon, olive, feta. Enfin, je vais faire une grosse salade. Ça va être très bon. On va se régaler. Moi, j'adore ça, les salades. C'est vraiment ce que je préfère, moi, quand revienne les beaux jours, c'est faire des salades. J'adore ça. Bon, allez, je termine mon café. Quelle heure il est? Là, j'allais me retourner. C'est l'habitude. Il est 10h40, donc ça va, je ne suis pas à la bourre. Tant mieux. Allez, on se dit à plus tard. Thank you.
Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on est mercredi 7, si je dis pas de bêtises, ouais, mercredi 7 juin. Toujours je vous accueille avec mon café de bienvenue. Il est 11h. Alors hier, comme vous l'avez vu, j'ai nettoyé tout mon salon de jardin. Enfin tout mon salon, j'ai 6 chaises et un bain de soleil, donc bon, mais ça en avait grandement besoin parce que ça avait passé tout l'hiver dehors. Maintenant c'est bien propre. Là chérie est en train de, bon vous le voyez pas parce que avec la porte-fenêtre ça fait contre-jour, mais il est en train de repeindre tout le soubassement de la du petit muret de la terrasse. Ça fait hyper clair, hyper beau. Je vous montrerai quand il aura terminé, vous verrez. Hier, ce que j'ai terminé également, c'est ma vidéo pour l'air fryer chez Free. Fallait que je fasse la conclusion et puis que bah, je vous donne le code, les dates, etc. C'est un bon plan. Donc ça, c'est sorti hier à 18h. Après, ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé à monter la vidéo du spectacle de ma petite fille qui a fait une pièce de théâtre la semaine dernière. J'avais toujours pas monté et là, j'ai 29 minutes. Donc, j'ai des effets de zoom, etc. Et je ne suis pas très douée en la matière. Donc, j'ai un petit peu regardé des tutos parce que sur la pièce de théâtre, vous imaginez qu'il y a beaucoup de monde. Et moi, je voulais zoomer à l'endroit, bien évidemment, où il y avait ma petite fille. Donc, bon, j'apprends au fur et à mesure. Mais c'est intéressant. On passe beaucoup de temps par contre. Mais c'est vraiment intéressant. Sinon, ce matin, ce que j'ai fait, c'est mon menu pour la semaine prochaine. Je suis au moins c'est fait. Je suis contente parce que ce week-end, on habite ensemble. On a nos petits-enfants à la maison pour le week-end. Donc, je leur ai préparé des petits plats qu'ils aiment. Donc, bah, il me reste plus qu'à passer mon drive. Ça, c'est autre chose. Et oui, j'ai reçu un colis ce matin. Je vais le chercher, je reviens. J'ai reçu mon petit colis. Bon, je pense que c'est le sérum que je me suis offert dimanche pour la fête des mères, je suppose, parce que j'avais demandé... un envoi contre signature et là j'ai signé, donc je suppose que c'est ça. Bon, ça s'ouvre là. Mais là, ouais, c'est ce qui me semble. Il y a un scotch qui va me gêner. Je vais ouvrir les deux bords. Voilà, ça colle. Alors, voilà ce qu'on a dans la boîte. Ah, ça coule. Oh, ben, y a une petite pochette avec. C'est sympa. C'est sympa. Alors, est-ce qu'il y a écrit le nom dessus? Je crois que c'est Jouvescence, il me semble. Sympa la petite pochette, ça je vais la réutiliser. Alors, j'ai donc mon sérum jeunesse dans un petit sachet en organza, comme ça, c'est super bien présenté. Hein. Donc ça c'est le fameux, ouais c'est ça, Jouvescence, sérum anti-rides immédiat efficace en 3 minutes. Et le packaging est très très beau. On voit ou pas? Voilà, il est magnifique. Hein, flacon pompe. Et donc en cadeau, j'avais un optimiseur purifiant intense bio formulé pour optimiser l'effet de Jouvescence. Donc, est-ce qu'il faut mettre ça avant et puis ça après? Par contre, je n'ai aucune notice. Il n'y a aucune notice. Il n'y a rien du tout. Bon, ça va que j'ai vu la vidéo et... Mais dans la vidéo, vous voyez, il ne parle pas de ce produit. Appliqué sur le visage et le cou à l'aide d'un coton, chaque matin et soir, sur eau propre.
peau propre. Le rinçage n'est pas nécessaire. En gros, c'est un tonique. C'est une odeur très légère, très discrète. Hein. Alors, il y a 120 ml. Donc, ben, j'essaierai ça demain matin, parce que là, j'ai fait mes soins. Donc, mais j'ai hâte, hein. J'ai hâte parce que si vraiment... Attendez, j'ai l'impression que je suis sombre, non? Ouais, je suis sombre, hein? C'est bizarre. Ah, c'est mieux. Bon, j'essaierai demain matin, voir si c'est vrai que ça relisse la peau. Bon, ça va pas... c'est quelque chose qui est instantané. Alors, a priori, ça aurait tendance à améliorer la peau au fur et à mesure des applications. Mais je savais, moi, ces trucs-là. Je pense que c'est un peu comme moi de mon temps. J'adore dire ça. On avait des petites ampoules éclat, coup d'éclat, ça s'appelait. Des petites ampoules coup d'éclat. Vous mettiez ça avant de vous maquiller. Et c'est vrai que ça faisait un petit effet tenseur. Ça, c'était bien. Je pense que ça, c'est à peu près la même chose. On verra. Bon, je finis mon café. Ce midi, on mange donc le poulet qui est mariné là. Je sais plus ce que c'était, mariné à quoi. Je vais faire ça avec du riz et puis ça ira bien. Hein. Allez, je vous dis donc à plus tard. Et puis là, je vais me mettre... Bon, peut-être pas, il est 11h10. Ça va, j'ai le temps. Je ne vais pas me mettre sur le repas tout de suite. Allez, à plus tard. On revient donc de notre petite virée. On est allé chez Centracor. J'ai pas trouvé le style de store que je voulais. Et puis j'en ai marre de chercher partout. Alors on a pris les moins pires. C'est la cafetière qui se rince. Hein. Alors, ce que j'ai trouvé comme rideau, ces petits rideaux à pointe. Voilà, avec des petits pompons dans le bas. Apparemment, il y aurait des petits filets comme ça gris, comme mes doubles rideaux sont dans les tons de gris. Par contre, c'est vendu par deux. Donc, ben, j'en ai pris deux fois deux, hein, puisque j'ai trois fenêtres. J'en aurai un en rab. Si un jour j'en ai un qui se déchire, on ne sait jamais. Voilà, donc j'ai pris les deux. C'était combien les rideaux? 11,99 la paire. Hein. Avec ça, donc, on a pris trois systèmes de tringles. Et ça, c'est 5,59 l'unité. Tu dis quoi? Bah, c'est 60, il n'y avait pas plus petit. Après, c'est 30, 40. Oui. Voilà, voilà. Pareil, trois systèmes d'accroche, mais sans perçage, parce que ce sont des fenêtres en PVC. Ovale blanche, je pense que c'est ça. 2,69 l'unité. Et un sac à déchets vert de 160 litres. Et ça, c'était 13,99. Ce qui est resté dans la voiture, c'est un pare-soleil avant en alu. Vous savez, quand il fait vraiment très très chaud, au moins, on met ça sur le pare-brise, ça retient quand même la fraîcheur, enfin, le peu de fraîcheur. À 5,99. Voilà, donc tous les petits achats, on va faire ça tranquillement. Et donc, j'ai reçu à mon Mondial Relais ma commande que j'ai passée sur showroom privé. Alors c'était une robe et un jean mom. Alors je vais sortir les deux. La robe, elle est à rayures fines. J'adore cette robe. Et c'est la marque Only. C'est pour ça que j'ai passé commande. Parce que c'est vraiment une marque, moi, Only, là. Vraiment, c'est une marque que j'aime beaucoup.
Bon, j'espère que ce sera mieux que la dernière fois. La dernière fois, c'était une robe plus habillée. J'étais étriquée dedans, je ne pouvais même pas la fermer. J'espère que là, ça va aller. Je ne sais plus ce que j'ai pris comme taille. J'ai pris 42. J'ai vu large. Moi, le problème, c'est que je ne suis pas très large d'ici, mais c'est plus le bassin. Ah, je suis jolie quand même. Allez, un manche trois quarts avec un revers. Avec un vrai boutonnage sur le devant. Elle est froncée à partir de la taille. Alors, comme ça. Voilà. Elle est très, très... Enfin, moi, j'aime beaucoup ces frais. Et donc, un jean mom pour être à l'aise dans mes jeans. Parce qu'en ce moment, je mets que des jeans stretch. Il y a tellement longtemps que je ne me suis pas acheté un jean. Et vous voyez, là, c'est pareil, c'est la marque Only. Bon, je pense qu'il faudra que je fasse un ourlet ou alors je ferai un revers, je verrai. Ouais, peut-être pas longtemps bien. Non, il n'y aurait même pas besoin. Voilà, mais là, c'est vraiment un jean, quoi. Je ne sais même pas si... Ah, si, il y a un peu d'élastane. C'est les Veneda Mom Fit. Voilà, ben, je suis contente. Je vais les essayer tout de suite. Si ça va pas, ben, je renvoie. Voilà, bon, on va ranger tout ça. Moi, je vais me faire un café. Il est 15h, je vais me faire un café. En attendant, ce que j'ai fait ce matin, enfin, plutôt vers midi, j'ai fait mon drive et il faut aller le chercher à 16h. Par contre, la douloureuse, c'était 230, 40. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure pour le drive. Alors, voilà, je viens de finir ma vidéo retour de course. Donc, voilà, tous les sacs vides, tout ce qu'il y a là sur le comptoir. Donc là, c'est toute la partie frais qu'il va falloir que je range. Et les surgelés, eux, par contre, sont déjà rangés. Voilà, bon, ben... au boulot pour ranger tout ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Nous sommes jeudi 8 juin. Café de bienvenue. Il est 11h. Hier, je ne vous ai pas repris parce que j'ai tourné ma vidéo retour de course. Après, il a fallu que je range tout. J'ai essayé mon jean et puis ma robe. Je suis trop, trop contente. Elle est vraiment agréable. Alors, il y a une couture qui démarre, si vous voulez, d'ici et qui arrive jusqu'en bas des reins. En fait, devant, ça fait ça et ça descend sur l'arrière. C'est vraiment très joli comme coupe. Ça affine, ça cache le bidou. Et le jean mom, il est parfait. Je l'ai essayé hier. Là, il est en train de tourner. Je fais tourner cette robe hier et donc là, c'est le jean qui tourne. Il est confo, il est trop, trop bien. Vraiment, je suis contente de mes achats. Je vous mettrai les prix magasin et le prix auquel je l'ai touché, moi, sur showroom privé. C'est vraiment extraordinaire. Cette showroom privé, pardon, c'est vraiment un truc où il faut y aller. En plus, moi, quand j'ai vu qu'il faisait la marque Only, c'est pour ça que j'y suis allée, parce que j'aime beaucoup cette marque. Elle est accessible et franchement, c'est des vêtements de bonne qualité, franchement. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Chéri qui est en train de terminer la peinture du petit muret de la terrasse. Et là, il est en train de faire le rebord de fenêtre, là où il y a tout le temps la minouche qui vient. C'est sale et tout, donc il a lavé. Il est en train de mettre un coup de peinture pour que ce soit un peu plus propre quand même. Et puis voilà, quoi d'autre ce midi, qu'est-ce qu'on mange? Ah oui, c'est une tarte aux légumes que je vais faire. Pas de feuilleté, courgettes, tomates, aubergines, bref. Un truc qui va nous servir sur ce midi et puis peut-être ce soir avec une salade, on verra. Donc ça va être rapide. Et moi cet après-midi, chérie voulait qu'on aille à Brico. Je lui ai dit écoute, vas-y tout seul parce que moi j'ai trois vidéos à faire là. Il faut que je tourne ma vidéo du haut l'action.
Elle n'est pas montée. Donc il faut que je la monte. Il faut que je monte mon retour de course d'hier. Il faut que je monte ce vlog, parce que j'ai rien fait ni lundi, ni mardi, ni mercredi. Et il faut que je termine la vidéo de ma petite fille. C'est comme je vais la voir ce week-end, j'aimerais bien y donner quoi, pour son spectacle au théâtre. Là. Donc une à finir et trois à faire, il n'y a rien de fait. Donc je crois qu'aujourd'hui ça va être journée, ordinateur, montage et tout ça. Je voulais vous revenir également sur... sur le sérum anti-rides que j'ai acheté hier. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc j'en ai mis, comme je vous disais, moi c'est ici que j'aime pas ces petites ridules autour de la bouche. Donc j'en ai mis juste ici, comme ça. Et ça a retendu toutes les petites ridules. Elles sont là, mais on les voit beaucoup moins. Demain, ce que je ferai, c'est que j'étendrai un peu ici, parce que du coup, maintenant, on ne voit plus que celle-là. Mais vraiment, je suis contente. Je suis vraiment contente. Alors, comment faire pour que vous voyez bien parce qu'il fait jour et il y a la fenêtre. Non, mais franchement, c'est un bon produit. Hein. Alors, combien de temps ça va durer? Je vais vous le dire au fur et à mesure de la journée. Mais rien qu'à l'application, après, quand j'ai passé le petit ventilateur, je sentais ma peau qui tirait. Alors, c'est sûrement un effet provisoire. Hein. Faut pas rêver, c'est pas du Botox. Hein. Mais je me dis que ça peut être sympa pour une... Après, on verra en fonction. Hein. Ça dure une heure... mais ça peut être sympa si vous avez un shooting ou les photos d'identité à faire pour vos papiers et camoufler un petit peu toutes ces marques là, ça peut être sympa, on va voir. Je vous dirai demain combien de temps ça a duré, mais là, moi je suis satisfaite, moi qui c'est le gros complexe là des petites ridules autour de la bouche, vraiment, nickel. Bon allez, je finis mon café, je me mets en cuisine, 11h, il est temps. Et on se dit à tout à l'heure. Je vous reprends, j'ai oublié de vous dire. Donc, on a posé hier un rideau, mais ils sont trop courts. Là, j'ai pris du 60 de largeur sur 90 de hauteur. Vous voyez, je trouve que c'est trop court. Et l'autre après, c'est 1,20 m de hauteur. Donc, je pense que ce sera mieux, ça correspondra mieux. La pointe viendra ici. Je pense que ce sera mieux. Alors, j'ai dit, je vais attendre un peu de m'habituer. Peut-être que ça suffira si j'en mets trois. Alors, du coup, on en a mis qu'un. Tous les autres, ils sont restés sur le canapé. Là, il y a la tétinette qui est là, la Kiki. Ah, ma fille, tu te fais dorer tes vieux os. Voilà, donc je vais vous montrer. Vous voyez ce que ça donne. Alors, peut-être que si je fermais le volet... Bon, avec le volet fermé, on voit pas grand chose. Voilà, c'est pas. C'est très très fin, mais je trouve que c'est un peu court. Mais on va s'habituer. J'attends ce week-end de voir si je. Donc j'ai dit à Chérie de les mettre en moins deux, parce que comme ils sont vendus par deux, si ceux-là ne vont pas, à ce moment-là, les deux qui ont. Le paquet a été ouvert, je les mettrai sur la fenêtre de la cuisine. Là, je m'en fous, il n'y a pas de vis-à-vis dans la cuisine. Et puis là, racheter des plus grands pour mettre ici. Mais du coup, ça me fait en racheter 4. Bon, à méditer ce truc. Alors voilà, je voulais vous montrer. Donc, il nous reste la moitié de la tarte aux légumes. Et j'ai refait une fournée de muffins aux myrtilles. J'ai acheté des myrtilles l'autre jour chez Grand Frais. Il m'en restait. Donc du coup, j'ai refait une fournée. Voilà, voilà. Ah oui, puis je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu, je crois, mes batteries. On va regarder ça ensemble parce que là, Chérie vient de sortir et il m'a remonté ça, m'a dit, tiens, il y avait ça dans la boîte aux lettres. Alors, attendez, je vais les chercher. Je vous montre le petit colis qu'il y avait dans la boîte aux lettres, donc je pense que c'est ça. Hein. De toute façon, j'attends plus que ça, alors... Enfin, non. J'ai repassé une commande, mais récente, et c'est des... coque de téléphone. Ce chéri en avait besoin d'une autre pour changer. Alors du coup, je m'en suis racheté aussi. J'ai dit, il n'y a pas de raison, moi aussi. J'essaie d'ouvrir. Hein. Du coup, je me suis racheté une coque aussi. Et j'ai racheté des vernis. J'en ai pas assez. Mais j'avais envie de vernis fluo. Donc, est-ce que ce sont mes batteries? Ça a l'air, hein. Ça a l'air.
Parce que là, tous les jours, je suis obligée de les changer. Tous les jours, ouais, c'est ça. Mes deux petites batteries. Bon, ça a été long, hein. Mais bon, on va voir maintenant combien de temps ça tient. Alors, chérie m'a dit, pour la première fois, il faut les charger à fond. Et après, seulement, tu les mets dans ta caméra. Voilà, voilà. Donc là, je me suis préparé mon set pour cet après-midi. Je vous montre. Comme ça, je vais pouvoir... Et là, j'ai monté. Alors ça, c'est le tous les fichiers que j'ai à monter... Pour ça c'est quoi? Oui, c'est le vlog, vous voyez, j'ai rien fait encore, j'ai tout ça à monter, j'ai mon haul action, etc, etc. Bon, allez, au boulot. Bonjour et bienvenue dans cette journée de vendredi 9, la dernière de la semaine. Là, je vous prends, il est 13h34, je ne vous ai pas pris ce matin. Notre petite fille est passée à la maison, on l'a gardée à déjeuner. Donc on a discuté, on a parlé de son cours de théâtre, etc, etc. Donc le temps est passé. Donc là, elle vient de partir pour reprendre ses cours. Et avec une heure de cours, donc voilà quoi. Donc j'en profite pour ouvrir ce vlog. Je surveille, je crois que c'était une guêpe, mais non, ça a l'air d'être une mouche. Enfin bref. Donc ben, bienvenue. Hier, j'ai fait le montage, ça tombe bien parce que j'ai fait le montage donc, de sa pièce de théâtre. Comme ça, j'ai pu lui donner, elle l'a regardée, elle était contente. J'ai monté la vidéo Hall Action. Donc, je crois que je vais vous la mettre ce soir. J'ai rien encore de programmé sur YouTube. Je voulais vous mettre le retour de course, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de mettre les prix, etc. Donc, je vais voir. Soit je vous mets la vidéo retour de course parce que j'ai eu le temps de le faire. Sinon, vous aurez le haul action. Et puis, le vlog, je suis à jour jusqu'à hier. Et j'en suis à 36 minutes. Donc aujourd'hui, je vais pas parler trop parce que 40 minutes déjà, c'est pas mal. Et on devait aller à Centre-Accord pour changer les voilages, là, les stores. Je vais en prendre un plus grand. Mais comme ils annoncent 31 degrés, je sais pas si on va sortir. Si, chérie me dit que si. Tu veux aller à Centre-Accord ? Ouais. Bon, on va aller à Centre-Accord, chérie est décidée. Moi, j'étais pas trop décidée, je préfère rester à la maison au frais que 31 degrés. Là, on est à 29 degrés. Et sur Paris, ils annoncent jusqu'à 31 degrés. Mais enfin bon, on va aller rendre une paire de rideaux et puis en racheter deux paires, forcément. On n'a pas le choix. Et puis c'est tout, hein. De toute façon, je vous montrerai, j'espère retrouver les bonnes tailles, je croise les doigts. Il y avait dans le magasin quand on y est allé. On verra bien. Et puis après, chérie a terminé sa peinture, je vous montrerai tout, les rideaux posés si on a trouvé. Et je vous montrerai toute la peinture que chérie a faite, ça fait super propre. Ça en avait bien besoin, un an comme ça sans qu'on s'en occupe, tout de suite ça se voit. Enfin non, même ça fait même plus d'un an parce que ça fait un moment qu'elle était là, cette peinture. Donc elle était carchérisée tous les ans, mais peinte, ça fait très très longtemps. Allez, je finis mon café et puis du coup, on va aller chez Centre-Accord. Bon. Je suis contente, j'ai trouvé les bons rideaux, donc par 1m20. On va pouvoir, j'ai pris les deux et j'en ai ramené une paire. On va pouvoir les installer. On a pris également notre protège-matelas. Ça fait un moment qu'on devait le prendre. On n'y pensait jamais. Là, j'ai dit, on y pense parce qu'il y a les petits qui viennent dormir à la maison. Et puis, voilà. Et petit Moshi, sésame noir, nous, c'est nos préférés, on n'en avait plus. Voilà, c'est tout ce qu'on a pris. Donc, on va remettre tous les rideaux aux fenêtres. Je vous montrerai après, puis je vous montrerai dehors comment c'est joli. Allez, à tout à l'heure. Alors, voilà, tout a été repeint là. Ici. Ici. Dans cet angle-là et dans cet angle-là.
Voilà, comme ça tout est propre. Bon, reste plus qu'à ranger. La table, les chaises, le barbecue. Voilà, c'est tout propre. Bon, on voit pas grand chose. Hein. Voilà ce que ça donne avec les trois voilages. Et du coup, bah, on ne peut pas mettre ceux de la cuisine parce qu'il nous manque les attaches qui sont en haut. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Allez, on va se mettre sur l'ordinateur. Alors, je ne vous ai pas repris de l'après-midi. Comme je vous l'ai dit, j'ai des petits-enfants à la maison. Donc là, on vient de terminer de manger, il est 20h40. C'était une des lasagnes ce soir, c'était super bon. Et puis là, je ne vais pas me faire un thé, je vais me faire simplement une glace parce qu'il fait tellement chaud que là, j'ai vraiment pas envie de boire chaud. J'ai plutôt envie de boire frais, donc je vais me faire une petite glace. Donc je vais arrêter le vlog ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!